Yo, salut à tous, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très spécial, quelque chose d'unique que vous n'avez jamais vu de votre vie. Ce n'est pas possible, je pense que c'est pas possible. Aujourd'hui, nous allons regarder un joueur qui a fait 1879 parties de Yumi. Uniquement de Yumi. Pas depuis 4 ans, pas depuis 3 ans, pas depuis que le champion est sorti. Non. Depuis que la saison 11 a commencé. Ce qui implique une trentaine de games par jour. Qui est capable de faire 30 games par jour? Je connais une seule personne. Et c'est pas possible que ce... Oui, c'est bien Sardoche que je pensais. Donc, est-ce que... La question de cette vidéo, c'est est-ce que ce joueur est-il réel? Est-ce que c'est vraiment une personne? Ou est-ce que c'est un bot? On va voir! Yes, no. Ok, donc avant que la vidéo commence, j'ai quelques giveaways à vous faire et surtout j'ai besoin de vous. Dans les commentaires, je vais avoir besoin de votre pseudo. Alors déjà dans les commentaires, je vais prendre au hasard quelqu'un qui écrit un commentaire et je vais lui donner 20€ de RP. C'est la maison qui offre. Ok, en fait c'est Instant Gaming qui offre, mais on en reparlera plus tard. En gros, tu vas mettre ton pseudo League of Legends avec ta région, EUest, NA ou un truc comme ça. Et avec ton pseudo, donc déjà je vais pouvoir te donner ton giveaway en t'ajoutant en ami et je te donne le code. Next, pourquoi je veux ton pseudo surtout? Parce que je vais faire un Guess Hello Viewer, donc abonné plutôt, dans le prochain épisode, ou un des prochains épisodes. Parce que j'ai une autre surprise avec Yumi. Là, je fais pas cette vidéo pour rien. Il y a une autre vidéo qui va être un peu en lien avec le champion. Je vous en dis pas plus, petite surprise. Du coup, voilà. Donc, n'hésitez pas à me balancer votre pseudo. Évidemment, ne me dites pas votre Hello. C'est ça, ça la vidéo qui va suivre, c'est que je vais devoir deviner votre Hello. Il y aura une petite conséquence, si je me foire, j'en dis pas plus, encore une fois surprise. Du coup voilà, on reparlera du giveaway sur Instant Gaming en fin de vidéo. Vous pouvez y aller tout de suite si vous voulez voir comment ça fonctionne et comment le site fonctionne aussi. Bonne vidéo. Du coup, nous, on va aller sur League of Legends, sur le client League of Legends, et on va aller voir Hillary, l'OTP Yumi. Bot, joueur, on ne sait pas, on va aller voir une de ses parties. Attends, il a fait du TFT? Je sais pas ce que ça veut dire de win en fait. Il n'est pas silver, hein. Il est bien Iron Cat, et attendez, il est Iron Cat 6 LP. Donc là, on est sur, tu peux pas être plus bas presque. Il y a évidemment le 0 LP, mais donc le plus bas c'est 0 LP Iron Cat. Vous comprenez qu'il a fait 2 victoires à la fin. J'ai actualisé, hein. J'ai update son compte, il est... à 6 LP. Est-ce que je peux voir 6 LP en vrai? Il est bien à 6 LP. Donc c'est pas l'OPG qui bug. Et il a fait 2 victoires avant. Ça veut dire qu'il fait du plus 3 par game. Ou il était en moins 40. Je sais pas. Si des gens sont à cet élo-là, qui peuvent me préciser quelque chose, c'est trop bizarre. Bref, on va aller regarder une de ses games. Parce qu'en fait, ça fait 3 jours qu'il a pas joué. Ça fait 3 jours qu'il a pas joué. Et je ne sais pas si il va rejouer, et je veux pas que les games disparaissent. Là on peut encore, mais j'ai trop peur que ça disparaisse. Du coup go, on va aller inspecter une de ces games pour voir si c'est un bot ou pas. Ça devrait être facile à juger. Un bot, attends, mais un bot, comment il a fait pour pas se faire ban en fait? Parce que 3 games, 3-4 games de bot, je veux bien que ce soit difficile pour League of Legends de le détecter. Mais là, 1900 games, il y a un moment où t'es en mode bon. Ça fait beaucoup là, non? Ouais, je sais pas. Ok, donc là déjà. Ok, donc juste ça, pas de potion. En même temps, c'est... Je suis pas un joueur de Yumi, mais je sais pas si j'achèterais des potions. Je pense que oui. On s'en bat les couilles du jungler. Surprise! Ok, le Nocturne qui joue Ghost, est-ce qu'il va l'utiliser? Non. C'est bien. Il l'a pas utilisé juste avant de mourir. C'est une bonne chose. Et bah ça commence bien pour son jungler. Alors, Ghost sur Nocturne, en vrai, c'est parce qu'il y a des gens, je crois, qui ont un petit peu de mal à parfois utiliser Flash. Je vais juste baisser la musique au cas où. Je me remets ici, désolé, hop. Ok, Yumi. Attends, quoi?
Attends, j'ai pas compris. Pourquoi elle a heal là? Oh, les misclics peuvent arriver à tout le monde. Non, non, mettons le doute du misclic. C'est extrêmement bizarre ce qui vient de se passer. Mais... misclic potentiel. Non, non, ça arrive. J'ai déjà très peur. Hein. J'ai déjà très peur du... De la Yumi, là. Voilà, on s'avance beaucoup, là. Ok, on met des grosses patates à Samira. La Yumi qui W, qui ne bouge absolument pas. On est actuellement à 1 APM. Bon, là, on vient de voir deux trucs déjà assez violents. Si encore à cet elo, en Iron Cat, tu vois, il y avait des gens qui auraient du mal à se déplacer avec clic droit. Ça m'aurait pas choqué. Là, ce que Yumi vient de faire... c'est un peu chaud. La Tristana qui fait son agression en voyant le gang du Nocturne. Très bien joué. Bonne lecture de jeu de la part de Tristana ici. Attends, la Yumi n'a pas eu d'assist. Ah oui, elle a fait son heal après qu'il soit mort. Est-ce que c'est fait exprès pour que le Nocturne ait plus de gold niveau assist? La Tristana très clean qui utilise son reset jump. Ok. Et la Yumi qui vient de heal avant que la Samira meure. Du coup, elle a eu les golds de l'assist. Du coup, est-ce que... mais attends, est-ce que c'est super smart? J'arrive pas à savoir si c'est super smart de la part de Yumi ou est-ce qu'elle a fait exprès, en fait, de pas heal pour laisser tous les golds à Nocturne, en fait. Ok. Alors, Yumi n'a pas lancé un Q depuis le début, mais elle a quand même monté le Q. Donc, j'ose espérer qu'il y en a un qui va partir. Tristana était full life ou j'ai rêvé? Ah, dommage, le canon. Attends, c'est très bizarre ça quand même. C'est vraiment type bot en vrai de lancer des heals comme ça pour pas être AFK, ça fait... c'est trop! Elle a re-heal là! Ouais, elle a re-E. Le code ferait quoi en fait? Toutes les 30 secondes genre? Oh, le mort de Kaiser en 2-0, ça va faire mal ça. Bon, Chaco aussi tu me diras. Ok, Yumi, pas d'exhaust. Ok. Tranquille. Non mais heureusement qu'elle a pas exhaust, il y avait juste besoin de heal. Alors, est-ce que la Yumi ne lance jamais de Q? Parce qu'elle joue ni Aerie ni Comet. Et que le POC est peut-être complètement inutile. Mais là tu mets un Q pour le gank. Tu testes au moins. Putain, ouais, c'est... bah le Q c'est 90 de mana en fait. Hein. Je crois que le Q c'est aussi cher qu'un heal. Ouais, tu préfères quoi? Mettre un Q sans Aerie, Comet, Scorch? Je pense pas qu'elle joue Scorch du coup la Yumi. Non, clairement pas. Ça va faire quoi? Moins 32 dégâts. Au lieu de mettre un heal qui va redonner presque 20% à ton allié, bah, je pense que tu queues jamais en fait avec Yumi. Hein. Tu queues quand il y a un gank quoi. Ok, le back. Ça la sort direct automatiquement. Elle a acheté un objet. Pile poil les golds pour. Tu codes un truc pour qu'elle heal toutes les 30 secondes. Moi en fait ce que je comprends pas. 1. Il a un skin Yumi. 2. Ça heal au pif en fait. Et pourquoi Riot Games n'a pas détecté ça en fait? Genre son bot a l'air éclaté, 1900 games, et il a pas été détecté. C'est ça que je trouve bizarre, tu vois.
Tu vois, encore si le bot, il était incroyable, incroyablement bien fait, je me dis, ok, le mec derrière, il a trouvé un truc pour pas se faire détecter et tout. Ou est-ce que League of Legends sont en mode, c'est un joueur de Yumi, bah normal que la personne joue comme ça? Ou est-ce que c'est plus en mode, bon, le bot, il est tellement éclaté que ça passe à travers notre système, genre? Attends, mais tu es trop con, en fait. Les comptes beauté, en fait. League of Legends ne fait rien de base, en fait. La Yumi qui a toujours pas lancé un Q de la game, je crois. Hein. Elle a son ultime. Je sais même pas, du coup, si elle va lancer son ultime. Ok, c'est le dewarder de Yumi. Ouais, des dewarders chelous aussi. Hein. Putain, non, c'est chaud. Des heals complètement random, des dewarders complètement random. Et la Tristana, elle est pas stupide, hein. Elle a l'XP du canon au moins. Elle voit que Yumi vient d'utiliser son heal. Du coup, elle se dit, je peux plus y aller là. Là, c'est bon, elle a son heal. Du coup, elle peut commencer à faire des trucs. Non, c'est mort, c'est un bot. Non, c'est un bot, c'est mort. Là, les heals random, c'est mort, c'est un bot. Franchement, j'étais pas sûr. Vous savez quoi? Je vais mettre un sondage dans la vidéo. En haut à droite ou en haut à gauche. Je sais pas où je vais le mettre. Je crois que ça va être en haut à droite en vrai. Pour le sondage. Est-ce que vous pensez que Yumi est soit un joueur ou deux un bot? Mais en fait, le fait que Yumi ne fasse jamais de Q. Attends, mais son objet là. 248. 700. Ah ouais, c'est grave. Ok, le R, Tristana. Je voulais dire Yumi. Non, c'est mort. Non mais attends. Qui coderait un bot qui fait un ultime à l'envers là? C'est quoi cette merde? Non, le mec est ingénieur, il fait un cours pour son bot ou je sais pas quoi. Il est en mode... il fait un cours sur les variantes random, je suppose. Non, c'est pas possible. A few moments later. Normalement, elle claque un heal dans entre 5 et 10 secondes et son dewarder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non. Le dewarder quand tu back, c'est mort, c'est fini. Fini, bot assuré. Ou c'est quelqu'un qui est en mode il deward pour le fun. Bon, pas d'exhaust. Je vais voir si exhaust est en cooldown une fois dans la game. Non. Non plus, pas le heal non plus. Non plus, pas le heal. Pas le heal. Ok, le heal, elle peut l'utiliser. Et ça FF. Elle place aucune ward. Aucune ward. Bref, bon les gens, on finit avec un stand gaming où vous allez pouvoir avoir un second giveaway. Vous aurez juste besoin de cliquer sur le lien pour le giveaway. Vous mettez le jeu que vous voulez. Ici, j'ai mis Minecraft, mais ça peut être un milliard de trucs différents. Tu peux avoir le Sea of Thieves, tu peux avoir du GTA V. Tu connais comment ça marche. Bonne chance pour le giveaway. Et même si vous perdez, vous aurez une réduction sur votre prochain achat. Mais un stand gaming, qu'est-ce que c'est? Notre sponsor, évidemment, officiel depuis très longtemps maintenant. Et j'en suis très content parce que ça me permet de vous donner des RP. Surtout si vous utilisez les liens dans la description. C'est un site où vous allez pouvoir acheter vos jeux digitalisés au meilleur prix. Tout simplement, avec des réductions complètement folle à des moins 83% par exemple sur les Sims 4, des moins 72 GTA 5, 61 Cyberpunk et plein d'autres jeux. Évidemment, là c'est juste l'accueil, mais il y a un milliard de trucs. Un milliard un peu exagéré, mais il y en a beaucoup de choses. Du coup, merci beaucoup à Instant Gaming et merci beaucoup à ceux qui utilisent le lien. Il vous reste encore 2 semaines pour le giveaway. Bonne chance à tous, prenez soin de vous, merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.